Bon, donc on va se concentrer. On a une demi-heure. Donc on va faire donc on commence par se concentrer sur la respiration. Une posture correcte de méditation, c'est-à-dire en essayant de garder le dos droit, qu'on soit assis sur une chaise, un tabouret, un coussin. Donc on prend la posture. Quand vous sentez que vous êtes bien installé dans la posture, que celle-ci est stable et bien droite, vous posez toute votre attention sur le souffle, sur la respiration. Vous pouvez commencer par prendre une grande inspiration, la retenir un peu, et puis expirer lentement. Puis à la fin de chaque inspire, essayez de bloquer un petit peu la respiration avant de relâcher. Et avant que ça devienne difficile, vous relâchez l'expiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter 10 cycles respiratoires. Donc vous essayez de bien rester concentré sur la respiration, de ne pas suivre les pensées, ou de ramener l'esprit chaque fois qu'une pensée vous entraîne.
Et donc, vous essayez de maintenir une certaine tension dans l'esprit. Mais pas trop non plus. Essayez de trouver la juste mesure entre trop de tension et pas assez. Ensuite, vous développez une motivation altruiste pour faire cette pratique. Donc, soit une motivation de libération, soit une motivation d'éveil, si possible, en aspirant sincèrement donc à développer au maximum votre potentiel, le potentiel de votre esprit, pour atteindre la bouddhéité, afin d'être bénéfique à tous les êtres. Et dans ce but-là, donc, on va méditer sur la vacuité. Donc maintenant, je vous demande de fermer les yeux. Et de sentir que vous existez. Vous êtes là, bien présent, bien existant. Sentez que vous êtes, que vous avez une existence, et que ça c'est complètement indéniable. Si quelqu'un vous dit que vous n'existez pas, vous avez le droit de le frapper. Il verra si vous n'existez pas. Donc c'est de sentir cette existence qui est la vôtre, qui est la nôtre. Notre cœur bat, nous avons toutes sortes de sensations, de pensées, d'émotions. Donc bien sûr qu'on existe. Donc essayez au moment de vous imprégner de cette existence, c'est pas difficile, hein. Tout simplement penser « je suis ». J'existe. Donc sentez vraiment votre existence dans tous les pores de votre peau, dans les pieds à la tête, vous existez. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la partie de votre corps que vous associez le plus à votre moi, à votre je. Par exemple, ça peut être le visage. Concentrez-vous sur votre visage.
ça peut être votre poitrine. À ce moment-là, concentrez-vous sur votre poitrine. Sur l'endroit que vous identifiez le plus à vous-même, à votre je. Si vous vous concentrez par exemple sur votre visage, essayez vraiment de ressentir votre visage, sans ouvrir les yeux. Portez toute votre attention sur votre visage. En sentant que le moi est dans votre visage. Est-ce que vous trouvez un moi dans le visage? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous concentrez sur votre visage? Vous sentez simplement de l'espace. Rien d'autre. Un espace vide. Sans limite. Ni à droite, ni à gauche. Ni au-dessus de votre crâne, ni en dessous. Juste de l'espace. Et dans cet espace, il n'y a absolument rien qu'on puisse identifier comme un je existant véritablement. Et pourtant, on existe. Essayez de ressentir ces deux choses en même temps. L'absence d'existence véritable d'un je et le fait qu'on existe. Essayez vraiment de maintenir toute votre attention sur cette existence et inexistence en même temps. Sans que l'une soit plus forte que l'autre. Il n'y a pas de jeu existant véritablement dans cet espace, et pourtant j'existe.
qu'essayer de ressentir que ce « je » que l'on croit exister véritablement n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il n'est ni un avec le corps et l'esprit, ni différent d'eux. Et donc que c'est une pure création mentale qui ne m'empêche pas d'exister. Mais d'exister comment? Comme un simple nom, une simple désignation. Créé par mon esprit. Donc essayez vraiment de ressentir que la démarcation entre l'existence et l'inexistence est extrêmement subtile. Comme dit l'Amazopa, c'est comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder tous les phénomènes qui sont devant vous, toutes les choses qui sont là, dans cet espace, autour de vous. Ces choses qui semblent remplir l'espace, qui nous apparaissent comme existant véritablement, indépendamment de tout. Mais si on analyse cette chose qui est devant nous, on voit qu'elle dépend de multiples facteurs. Donc on peut prendre cette chose-là et on la décompose en ses parties. On la décompose en ses constituants, ses causes et conditions, tout ce qui l'a amené à exister. Le nom qui sert à la désigner. Sa base de désignation. Toute une foule de facteurs interdépendants qui nous montrent à l'évidence que la chose n'existe pas telle qu'on l'aperçoit, comme si elle existait véritablement. Et pourtant, elle existe. On en arrive à la conclusion que le « je », les phénomènes composés, les phénomènes incomposés, n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent. N'existent pas véritablement, mais comme de simples désignations.
Parce que s'ils existaient véritablement, ils devraient exister par eux-mêmes, de leur propre côté, sans dépendre de quoi que ce soit. Or, l'analyse nous montre exactement le contraire. On ressent une grande libération dans le cœur quand on prend conscience de ça, une grande certitude. Libération, parce qu'on est libéré donc des émotions qui nous font croire que les choses existent véritablement, telles qu'on les perçoit. Et on réalise qu'elles sont de simples interdépendances. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Une fois qu'on a perçu cette vacuité, donc d'existence en soi, on reste le plus longtemps possible concentré dans cet état. Et quand on quitte cette méditation, tout apparaît comme une illusion. C'est-à-dire que les choses nous apparaissent, mais on sait maintenant qu'elles n'existent pas de la façon dont elles nous apparaissent. On n'est donc plus trompé par leur apparence. Cette compréhension intellectuelle ou conceptuelle de la vacuité qu'on vient de produire dans notre esprit, on la dédie à l'atteinte de l'éveil pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres et les amener à ce même état de perfection, de plénitude. On essaye d'unir en même temps la compassion et la vue de la vacuité.
On va faire une petite, pause maintenant, avant de reprendre l'enseignement avec Guichela.